parti. Je vais prendre les autres. Voilà. Par les autres d'abord. Ah ouais. À gauche gauche quoi. Ah non, on va à gauche. Oh non, oh non. Oh non. Oh non. Thank you.
Oui, oui, ils sont là, oui. À l'intérieur? Non, non, non. Parce qu'il y a un séminariste. Comme tout ça. Que je voudrais. Je serais mieux beaucoup plus tôt, hein, si j'avais su l'horaire, mais il y a un autre groupe de fait, quoi. Pascal, ah, bonjour. Je ne me trompe pas prénom. Non, c'est ça. Bon, vous êtes pas loin de Brest, non, de Plougastel. Oui, voilà, on s'était vu à Longue-Jeunesse. Vous êtes Joseph. Oui. Vous interviewez. On va avoir Joseph à Morlaix. Ah oui. Joseph, vous allez me dire quel est votre avenir. Moi, je suis en formation pour devenir prêtre. Oui. Pour le diocèse de Quimper et Léon, oui. Je suis séminariste. Je vous rentre étiez... en première année de théologie. Vous étiez à Brest. Voilà. J'ai cru savoir que vous allez changer d'affectation. Normalement, oui, en septembre, ma paroisse d'insertion sera à Morlaix. Très bien, vous savez que je suis de Morlaix. Tout à fait. On va donc vous retrouver. Et, ben, avec et quel plaisir. Est l'emploi du temps d'un séminariste dans une paroisse? Alors, un séminariste, il est toute la semaine en formation à Rennes. Oui. Et un week-end sur deux dans les paroisses pour donner déjà apprendre oui. à côtoyer les prêtres, oui. vivre avec les prêtres, connaître le presbytérium. Oui. Et puis aussi commencer à être engagé dans quelques activités pastorales auprès des paroissiens. Vous viendrez voir nos petites paroisses environnantes. Tout à fait. Dans tout nos fait. Petits patelins. Exactement. Oui. Écoutez, je vais vous... Bon, c'est très bien, on est heureux de vous voir. Merci, à bientôt. Rapprochez-vous de Jean-Marc. C'est Marc, c'est Marc. Oui, c'est ça, c'est ça. Germaine et Jean, mettez-vous plus près. Mettez-vous plus près. Alors, la messe est terminée. J'ai été très agréablement reçue par l'équipe pastorale, c'est comme ça que l'on c'est dit, comme ça. De Brest-Centre, Saint-Louis, que vous représentez. Madame, vous êtes Germaine Guéga. Tout à fait. Et vous êtes chargée de l'accueil. De l'accueil, c'est déjà beaucoup. En tout cas, il est bien fait. Et Jean, qui m'a ouvert les portes. Vous êtes chargé de quoi? De la sacristie, sacristain. Oui, pas beaucoup de choses aussi, oui. Jean-Marc, j'ai bien compris que vous vous occupez du site. Non, non, pas du tout. Je suis membre de l'équipe pastorale. Oui. Et je suis référent communication, donc c'est pour cela que vos talents ah bah oui, la com, de c'est communicante vous. M'intéressent. Ah, mais la com, c'est voilà. essentiel actuellement. Ah, ben voilà, on et va... Et c'est le père Olivier qui est chargé de oui, l'usage aussi. Oui, mais enfin, il ne peut pas tout faire. Ah, il ne peut pas tout faire. Ah, bon, en tout cas, merci de votre accueil à tous les trois. Ouais, merci à vous. Nous allons merci avoir à Morlaix votre séminariste, Joseph, Joseph oui. qui va venir vers nous, qui est charmant. Et vous allez aussi avoir le père Tanguy de Saint-Martin. Oui, Tanguy de Saint-Martin, de notre, oui, notre qui est originaire de Garland, il m'a dit, sa famille. Oui, je l'ai vu à Quimper. Oui, nous allons être gâtés. On aura oui, aussi Daniel de Cardanet. Oui, le jeune prêtre. Voilà, alors à bientôt après, c'est pas très loin.